Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super. On est sur notre petit nuage. On avait coupé le petit téléphone pendant 2 jours, puisque, bah, comme vous l'avez vu, on a organisé notre mariage, ça y est, qui était prévu donc là, en début septembre, juste à la fin de l'été. Pour ceux qui le savent, on était déjà officiellement mariés. On s'est mariés à Dubaï tous les deux, vraiment juste de manière officielle, mais on n'avait pas célébré ça avec la famille et les amis. Et c'est vrai qu'on attendait le moment parfait pour rassembler tout le monde. Et c'était, bah, donc il y a 2 jours, le 5 septembre, et c'était juste incroyable. Franchement, le mariage, c'est trop important parce qu'il y a tellement de souvenirs qui resteront gravés à jamais. C'était vraiment trop, trop bien. Il y avait tous les gens qu'on aimait. Enfin, franchement, c'était trop, trop cool. Donc, on a trop hâte de partager tout ça. C'est pour ça aussi qu'on a posé le téléphone, parce qu'on voulait profiter pleinement de ce moment qui se réalise une fois dans sa vie, quoi. C'était juste exceptionnel. Là, en plus, on commence à recevoir les photos, les vidéos du mariage. Alors, il y a des photos, mais elles sont incroyables, des vidéos aussi. On va essayer de vous partager un maximum de choses, parce que, bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous demandent, m'a dit, partage-nous un petit peu, montre-nous comment c'était et tout. Enfin, franchement, c'était trop bien. C'était en petit comité, on n'était pas hyper nombreux. On avait vraiment famille proche. Proche, amis, proche, proche, parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'on était déjà mariés, c'était surtout pour le célébrer, bah, avec nos familles qui n'étaient pas là à l'époque. Et c'était il y a 2 ans qu'on avait célébré ça, enfin qu'on s'était mariés à Dubaï. Et en plus, à l'époque, je ne savais même pas encore que j'allais avoir Andrea, puisque j'étais pas au courant que j'allais être enceinte juste derrière. Et là, de se marier avec son enfant, 2 ans en plus, c'est l'âge parfait, enfin il va avoir 2 ans. Mais je vous explique, c'était l'émotion, vraiment, c'était un truc de fou de pouvoir se marier avec son enfant. Il est venu, il nous a apporté les bagues, il était avec son petit costume, je l'ai découvert en même temps que Benji. Enfin, c'était waouh, c'était waouh, vraiment c'était waouh. Là, je vous explique la cérémonie en pleurs du début à la fin pour tout le monde. Après, c'était la guerre. Voilà, franchement, je suis tellement contente. Merci encore à tous mes amis qui étaient là, nos familles, parce que vraiment, il y avait une ambiance, ce mariage, mais j'ai la chance d'avoir des proches incroyables. Voilà, les personnes sont là pour. En fait, tout le monde était tellement heureux pour nous que j'avais l'impression qu'on était dans le monde des bisounours. C'était trop, trop bien. Franchement, voilà, moi qui n'étais pas forcément très mariage quand j'étais plus jeune, ben, vraiment, c'est trop important en vrai, parce que c'est des souvenirs, mais. C'est une fois dans une vie et c'était trop trop bien. Bref, je tiens quand même à dire que pour info, j'étais pas du tout stressée parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient, même quand on croisait nos amis et tout, ça va, le mariage, t'es pas trop stressée et tout. J'étais pas du tout stressée. Sauf que, comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, ils avaient annoncé une pluie de dernière minute. Mais attention à la pluie, vous avez vu qu'il y a eu des inondations à Marseille et tout. C'est simple, il y a un matin. Je me suis levée, j'ai pleuré, j'ai dit on annule tout, ça sert à rien. Parce que nous, tout s'est passé en extérieur, donc on avait un plan B. Mais le plan B est pas du tout comme je l'imaginais et comme je le rêvais. Donc du coup, j'étais en PLS 3 jours avant et on a eu une chance. On a eu un temps de dingue. Justement, il n'y avait plus avant, le jour d'avant. Donc au final, ça avait rafraîchi un peu. Et nous, soleil plein. Donc c'était juste génial. Sur ça, on a vraiment eu de la chance, mais j'ai prié tout ce que j'ai pu. Et franchement, sur ça. C'était parfait. Tout près, c'est que là, on va ranger un petit peu toute la maison, ménage. On en profite quand André est chez mamie et papy. Comme ça, nous, on peut un peu tout préparer, les valises, etc. En fin de journée, on en profitera pour vous partager les moments du mariage. Donc, je me rappelle à chaque fois que je tombais, parce que je regardais beaucoup, forcément, quand on se marie, je pense que les filles, on est toutes pareilles. On regarde un peu les mariages des autres sur Insta. On tape wedding, machin et tout pour avoir des inspi, pour voir un peu comment ça se passe et tout. Et je me disais, ouais, il y en a, elles forcent avec leur mariage. Pendant 2 semaines, elles mettent des photos. Pendant 2 semaines, elles en parlent. Eh ben, pendant 2 semaines, je vais pas vous lâcher. Et la vérité, tout ce que je suis en train de recevoir là, je me dis, mais il y a tout ça, mais celles-là, elles sont trop stylées. Cette vidéo, elle est trop bien. Cette photo, elle est trop cool. Donc, franchement, on va vous partager grave de trucs. Parce que ben, en plus ça nous fait kiffer de pouvoir partager ça avec vous parce que ben, tous les messages gentils qu'on a reçus et tout, enfin franchement voilà, vous vivez avec nous depuis des années maintenant, que sommes ensemble depuis 4 ans, vous nous suivez et pour nous ben, c'est logique aussi de vous montrer un peu tout ça. Donc je pense qu'en fin de journée j'en profiterai aussi pour vous montrer un petit peu les backstage, l'organisation et tout parce que ben, franchement je vous cache pas que c'était easy pour moi et le stress était pas à son max parce que justement on avait des wedding planners indispensables pour nous, voilà, qui ont fait totalement à notre image. On a tout géré avec eux et eux ensuite ont géré vraiment tout le reste. Et grâce à ça, tout s'est déroulé comme prévu. Je vous montrerai aussi les prestataires avec lesquels on est passé. Donc hors collab ou ce que vous voulez, c'est vraiment pour vous partager parce que je sais que moi, quand j'étais en train d'organiser mon mariage,
Je cherchais justement le bon traiteur, la bonne déco, le bon machin, le bon bidule, le bon chouette. Enfin, voilà, il fallait de tout. Et si ça peut vous aider pour certains, tous mes prestataires sont notamment basés dans le sud et un peu partout aussi d'ailleurs. Donc, je vous partagerai ça vraiment voilà, juste pour vous faire kiffer aussi. Et parce que franchement, tous les prestataires ont été juste incroyables. Peut-être que vous ne verrez pas forcément sur les photos ou les réels qu'on va poster qui seront plus des mises en avant de notre mariage où on kiffe nos photos et nos vidéos. Mais comme ça, vous verrez un petit peu l'ensemble comme si vous aviez été, comme si vous aviez été avec nous pendant ce moment incroyable. Vraiment tranquillou. Mais c'était génial. C'était vraiment génial. C'était un week-end oufissime. On s'est mariés en semaine aussi parce que honnêtement, quand on avait visité les lieux, il y avait peu de disponibilité. On avait visité l'année dernière pas mal d'endroits et on avait booké déjà le lieu l'année dernière. Et en fait, il y a encore le post-Covid. Hein. Donc, en fait, il y avait beaucoup de lieux qui étaient pris, il n'y avait pas beaucoup de place. Et franchement, au final, tout était parfait. Tout était parfait. Enfin bref, je vous dis rendez-vous à tout à l'heure pour tout ce qui concerne le mariage. Je pense que je ferai ça sur 2 jours parce qu'il y a vraiment tellement de choses à vous partager. Je vous ferai le déroulé de la journée pour aujourd'hui. Et demain, je vous partagerai la partie soirée qu'on a passée aussi. Et ça va être trop cool. Vous allez voir, franchement, c'était trop, trop bien. Trop hâte de vous montrer tout ça. Et là, du coup, je vais go mes lessives. Je vais faire tourner tous les draps, tout. Je vous explique là déjà dans la maison, j'ai étendu des trucs de partout. La maison, c'est le bordel. J'ai les Cause with your hands I'm here to deal. Et en ce qui concerne les fleurs, donc c'est M ma fleur qui a réalisé toute la décoration. C'était juste trop trop beau en fait. Alors, chaque jour comme... Bon, du coup, je vous ai partagé pas mal de petites vidéos backstage. Franchement, ça me fait trop bizarre de tout revoir. C'était vraiment incroyable. Alors, Evans épisode, je vous explique, on leur a envoyé des inspi de ce qu'on aimait, de ce qu'on souhaitait, etc. Et on a tout découvert le jour J. Donc, bien dit en amont un petit peu le thème repas. C'était juste magique. C'était... Et quelque chose que je voulais absolument, et c'est pour ça que j'avais eu peur quand ils avaient annoncé la pluie, c'était un ciel étoilé. Je suis à l'intérieur dans une salle, c'est pas le souci. Mais moi, je l'imaginais tellement dans ma cour, là où on a fait la partie repas, donc qu'on a pu faire finalement, puisqu'on a eu très beau temps. Un ciel étoilé, de cette manière, il était sublime, il était parfait. J'en avais vu des fois qui faisaient un peu guinguette. Là, pour le coup, on était sur un ciel étoilé haut de gamme. Le rendu était magnifique. Donc voilà un premier aperçu un petit peu du mariage, notamment de ce qui s'est passé au niveau de la cérémonie, la partie repas. Entre temps, il y avait le vin d'honneur, etc. Il s'est passé tellement, tellement de choses. C'était incroyable. Et je vous mettrai la suite demain. Je ferai la partie soirée demain. Comme ça, au moins, je divise en deux, parce que sinon, vraiment, je vais vous mettre des stories. Je m'arrêterai plus. En plus, là, du coup, on va aller dîner chez des amis. Donc voilà, franchement, c'était trop, trop beau. Photos et vidéos de nos vidéastes et photographes qui étaient un jour, vous allez entendre parler de nous. Voilà, on va partager notre bonheur au grand jour. Mais voilà, c'était trop. Regardez la différence.